dur quand même, quoi. Je pensais que ce serait tout simple, que j'allais one-shot tous les mobs, qu'on allait faire ça en 2 minutes, et en fait, non, je galère comme un ouf, quoi. Faut absolument que j'aille voir le nouveau trailer. Attendez, je vais aller le voir parce que là vous avez ma curiosité, quitte à faire une petite pause, et on va aller voir le trailer. Qui est le trailer? Teaser d'aventure saison 3. Ok, on va couper le son. On va faire un capture d'écran. Hop, hop. Ok. Bon, attends, on va pas le mettre en entier comme ça. Ça va pas être la galère pour l'affichage. On va le mettre là. Voilà, ça ira très bien. Hop, hop, hop. Ici. Ah, par contre. Ah, ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire avec. Bah c'est parti, on va voir ce à quoi ça ressemble. Ok. C'est parti. C'est parti, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Ce nouveau corps est intéressant. Les ténèbres coulent en lui. L'église de la lumière tombera pour son affront. Et les hommes m'imploreront enfin. Ah ouais, c'était classe. C'était classe. Mais je suis où? Où je suis? Il est où mon personnage? Il est nulle part. C'est très très classe. Mais ton autre trailer avait le comment il s'appelle le l'avantage de montrer un peu tout le monde. Voilà. Ça fait moins aventure. Il y a quelques petits côtés aventure, mais ça fait moins aventure. Mais c'était très très classe. C'était très très classe sinon. C'est genre classe plus plus, genre classe cinéma hollywoodien quoi. Un gros GG à toi. Gros gros GG pour le boulot en tout cas. Mais c'est vrai que comparé à l'autre, il fait un peu moins aventure. Un petit peu moins aventure. Shin n'y est pas non plus, ouais j'ai vu ça, j'ai vu ça. Voilà, voilà. Bah allez, on y retourne. Non, celui-là, par Théo, il n'y a personne. C'est quoi tes épées? Ce sont les épées du fondeur. Ah, ça, c'était bien, ça. Continuons, continuons. J'ai pas été voir, Hagen. Ça doit être ça. Ah, c'était très très bon après, un très très bon trailer, hein. Juste j'ai eu un peu plus de mal à l'identifier, quoi. Je le mettrai pas en aventure saison 3, je le mettrai en... Ok. Exactement, Siren.
tu l'attendais cette chute. Je suis prévisible, c'est ça? Oula, c'était juste. Voilà, ouais, de mon côté, je me suis pas trompé de bras. Ouais, mais tu vois, de savoir si on n'est pas si on est vivant ou pas, tu pouvais mettre des ombres, pas forcément les personnages, de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, tout ça. Juste des gens qui se lèvent, enfin, qui font appel, qui nous permettent de nous remémorer les différents protagonistes. Donc c'est pour ça que je te dis, ton thriller est très très bien, mais pour moi, il fait moins aventure que ce que tu avais fait avant. Bonjour Kren, tu as encore des boss à tuer? Oui, quelques-uns, oui. Allez, on va pouvoir augmenter. Je trouve pas le trailer d'aventure. Attends, je vais le retweet. Hop, laisse-moi un petit instant, je vais le retweet. Et nous avons Zaragim, Zaragim qui se réabonne, troisième réabonnement. Il devient donc un membre confirmé de la Glou Family, et bim, le resub de Zaragim. Un grand merci Zaragim, des bisous, merci beaucoup. Je suis à combien d'os? Je dois être à la moitié, je dois être à 15 ou à 18, je sais plus du tout. Alors attends. Teaser d'aventure saison 3, hérésie, hop, retweet. C'est bon, vous pouvez le voir sur Twitter. En fait, j'avoue, j'ai rushé pour le finir depuis que vous avez dit avoir commencé le tournage de la saison. J'ai pas pu finir comme j'aurais voulu. Ah, mais c'est quand même extrêmement classe. C'est extrêmement classe. Elle l'était déjà? Je sais plus ce que je dis. Je suis déconcentré. Je suis déconcentré devant tant d'épicness. C'est un membre confirmé, plus plus! Exactement. Exactement. M'avait déconcentré. Alors, je suis à combien? 18. Allez, plus que 4. Plus que 4. Si Siren était un si pardon, si Grunlek était un personnage de Disney, nous dit Siren, ce serait qui d'après vous? Et tu as Kimu qui répond grincheux. Il est pas grincheux mon Grunlek. Attention. Je suis mort. Yes, we more. Et nous avons Citic qui s'est abonné, mais ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Où es-tu, Citic? Où est l'alerte de Citic? Citic, premier réabonnement? Lui, il devient membre confirmé de la Glou Family pour la première fois? Et bim, Citic, et bim! Je suis pas d'accord. Elle est où l'alerte? Crane, au moins, il a pas dit simple. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Citic. Des bisous. Ah, bah voilà! Bah voilà! Merci Citic! Voilà, et bim, le reçoit tout ça, mais je l'ai déjà fait. Ah, parfait. Non, t'es pas puni, ça s'est remis. Voilà, des bisous Citic, merci beaucoup. Et bim! Et bim, et bim!
Allez, on peut en faire une en one shot, vous allez voir. On peut y arriver. On y croit. Un double Great Hammer, tu veux dire un truc comme ça? Un truc comme ça? Ça? Un truc comme ça? C'est juste que j'adore jouer les ultra espadons. Mais c'est vrai que j'ai fait le build de telle façon à ce qu'on puisse faire les deux. Non mais genre quoi. Il y a un peu du foutage de gueule des fois. Ah mais je peux pas l'éviter roulade sur le côté et là il a fait en fait le mob il s'est à moitié téléporté sur les derniers. Super. Parce que c'était une attaque, moi je crois qu'il avançait normalement là, mais non apparemment c'était une attaque. Mais ce qui est sur le côté quand il allait faire son attaque, mais non il était déjà en attaque. Nefandi à 42 morts, je pleure. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est drôle? Des larmes de sang. En criant pourquoi? Crane, j'ai ouï dire que Modi ne connaît pas The Secret World, tu as le devoir de lui montrer ça. Et je suis pas convaincu que ce soit du tout son style de jeu, surtout toutes les énigmes, tout ça. T'en penses quoi de Dark Souls 3? Bah je te dirais quand j'y aurais joué, vraiment, mais du peu que j'ai testé, je suis intéressé, mais... Depuis le début, à chaque fois que je cours, son attaque passe derrière. Depuis le début, toutes les fois. Toutes les fois. Et là... Là, tu n'as plus le droit de passer de musique. Oh, c'est juste que sur Dark Souls, c'est vrai que je mets pas de musique, mais c'est vrai que sur du farm comme ça, on pourrait mettre de la musique. Dark Souls, c'est plutôt un jeu dark où on fait un... Je pensais que ça allait être rapide, facile et tout, tu parles. Ouais. 42, tu mets de la musique. Ah, on est bien. On est bien. C'est le moment où tu regardes le chat et tu te retournes. Et en même temps que tu te retournes, tu tournes ton joystick parce que d'un point de vue moteur, t'es à l'ouest. Et puis voilà. Je vais mettre l'OST de Dark Souls. On va faire un petit fond. Non, non, ça, on va reprendre le début. Donc là, il n'y a pas vraiment de boss fight. Voilà. Ça te va, prof, ou équivalent pour distance? Ah, très bien, prof. C'est bon. Toujours pas. Un jour, je tomberai dans le trou derrière. Est-ce que je peux passer, là? Je peux pas passer. Je peux pas passer. Est-ce que c'est possible de faire plus relou que ces mobs? Bon, on va tenter à l'arc, hein.
C'est plus timide que grincheux. Toujours pas. Non. Une perte de temps non négligeable, mais... Ah, ça ne sert à rien. T'es bien content. Pousse-toi. Crane t'a quand même dit bien n'importe quoi dans la vidéo d'être même. Ah oui, je pense que j'ai dit de la merde du début à la fin. C'est ce qui caractérise beaucoup la vidéo et c'est un petit peu ce qui ressort des commentaires. Donc, je te remercie de l'avoir rappelé parce que c'était très très important. Ok, ça c'est fait. Alors, comment je peux faire? Ok. On n'a pas l'air de vouloir venir. Et un de plus. Ok, on est bon. Plus que 3. Crane, tu sais que tu disais des conneries et je ne dis pas ça pour troll ou autre. Hein. J'ai juste regardé la vidéo et j'ai trouvé que pas mal de choses étaient fausses. Ah. Je t'invite à faire des vidéos et à nous partager ta culture. Je vois pas trop ce que j'ai dit comme conneries en plus. Mais je suis sûr que c'est des points de détail extrêmement pertinents. Après, c'est toujours bien d'entendre des... Il y a quelqu'un qui a fait un post très intéressant et qui nous fait plein de... Sur les commentaires de la vidéo d'Atomium et qui nous donne plein de précisions sur des choses que nous-mêmes, de toute façon, on ne s'est jamais posé en tant qu'expert. Hein. On vous a donné un petit peu notre ressenti. Et par rapport à ce que nous, on a vécu déjà sur les autres jeux. Donc à partir de là, vu que c'est majoritairement des opinions, j'ai du mal à voir en quoi j'ai dit des conneries. Mais bon. Il faut de tout pour faire un monde, il en faut peu pour être heureux. Hakuna Matata. Le pudding à l'arsenic. Et ils sont synchro. C'est mal. J'arrive pas à passer. Je commence à bien connaître les Souls aussi, Crane. Je vois pas bien quelle connerie tu aurais pu dire. Bah, mis à part qu'on savait pas où était le dragon, où j'ai dit, Dark Souls 1, Atomium m'a repris pour dire que c'est Demon Souls, et en fait c'était bien Dark Souls 1, mais c'est juste qu'on savait pas trop, quoi. Et puis ça se sent clairement, on l'a clairement dit. Je vois pas trop... Non, je pense pas avoir dit de bêtises. Après, tu peux nous donner des exemples concrets, et puis comme ça on jugera, et peut-être qu'on apprendra des choses, ce sera bien. Bon, je vais arrêter d'y aller à l'arc, parce que... Voilà, là c'est embêtant. Il est très très chiant ce passage. On n'a plus que 3 fois à le faire. Hein. 3 fois et on a fini. Donc on l'a fait 5 fois, on a fait la majorité. Au pire, est-ce si grave? Ah bah oui, c'est toujours intéressant, on n'est pas là pour dire des bêtises.
Mais après, il faut faire une différence entre les puristes qui vont dire « Ah bah oui, si vous dites pas exactement 100% les bonnes informations sur mon contenu préféré, et bah ce n'est pas acceptable. » Et je pense qu'on est dans ce cas-là. Et alors que nous, on a juste une prétention de découverte de notre ressenti et de toutes ces choses-là. Non, non, les retours sont vraiment très très bons de la vidéo. Hein. Même les commentaires de gens qui veulent donner des précisions sur ce qu'on disait. Il y a quelqu'un qui dit « C'est dommage que vous n'ayez pas parlé de ça et de ci. » Gaffe, 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 gaffe. Non, ça va passer, ça va passer. Et là, je suis tout à fait d'accord, parce qu'on n'était pas dans une volonté informative, on était juste dans une volonté de partager notre ressenti. Salut, Hug Velarkan. Ça, c'est fait. Ah, c'est pas du tout ça que je vais faire. C'est pas grave. C'est moi, on a réussi très rapidement. Pour une fois, on a réussi très rapidement. Oh mon dieu, tous les runs devraient se passer comme ça. Salut à Dimitrio. Crane Live, je voulais juste te souhaiter une bonne continuation sur ce jeu ultra punitif auquel je déteste jouer mais que j'adore regarder en stream. Merci beaucoup. Crane, moi j'ai beaucoup aimé la vidéo, le fait qu'Ato aime plus l'ADA, le gameplay de Bloodborne et toi de Demon's Souls, c'était super intéressant de voir les deux avis et de voir qu'apparemment Dark Souls 3 reprend des choses dans les deux styles. C'est ce que j'ai eu comme impression, en tout cas, après on verra dans la pratique. De toute manière, mais c'est embêtant parce que j'attendais son message, je l'ai peut-être zappé, mais il nous a pas donné d'exemple concret. C'est dommage. On aurait pu voir ou non s'il y avait de la pertinence dans son avis. De manière Crane, le jeu est pas sorti donc difficile de dire s'il y avait des bêtises dans la vidéo, surtout que c'est pas une version finale que vous avez testée. Oui. Par exemple, oui, j'ai vu qu'il y avait la disparition de la Power Stance, je l'ai vu après, mais j'ai pas dit que la Power Stance était dans Dark Souls 3 de toute façon. Yup, Matty Verson. C'était notre volonté première, Magend, avec Ato, c'était de montrer qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste des Souls. Et que chaque personne y joue un petit peu comme il veut. Là, moi, je m'éclate à jouer d'une façon qui est quand même assez particulière, surtout pour un premier run, mais je m'éclate à jouer comme ça. Et donc, faut pas avoir peur de ce jeu et trouver vraiment ce qui nous éclaterait le plus, ce qui vous éclaterait le plus. Là, la caméra, elle m'a mise dedans. Non, mais Soulzone t'a dit apparemment qu'il allait faire un post sur la vidéo, donc j'imagine qu'on aura plein de choses intéressantes à lire sur la vidéo. Ah non, on n'a pas vu ton gros pavé, Soulzant. Ah mince. Oula. Je sais pas si ça sert à quelque chose de... Ok. Donc moi, Crane, j'ai pas le droit au bonjour. Je suis pas d'accord, monsieur Crane. Coucou, Dragon Ace. Désolé.
Ah. Oh mon Dieu, on les enchaîne, on les enchaîne. Alors, voyons voir ces postes. Crane, voilà ce que j'ai pu tirer. J'aime pas Bloodborne, j'ai l'impression qu'on te vomit du dark pour du dark. Ok, c'est mon avis, la direction artistique de Bloodborne est juste magnifique et excellente. Ok. D'accord, bon, apparemment je n'ai pas le droit d'avoir d'avis sur la direction artistique et de la façon dont je l'aperçois. Univers Lovecraftien avec du Berserk, j'adore Berserk, j'adore Lovecraft, et pourtant ça m'a pas touché dans Demon's Souls. Demon's Souls, le jeu le plus lourd de la série, nope, Demon's Souls est le plus rapide après Bloodborne. Mais j'ai trouvé que l'ambiance était lourde, j'ai pas dit que... Bref, au moins les boss j'apprends par cœur pour les perfects, sinon c'est pas la peine. Bon bah ça j'ai trouvé que ça faisait un petit peu prétentieux. Bah, c'est comme ça que j'essaye de faire sur ma chaîne depuis le départ. Et j'ai dit que j'étais pas très bon au jeu, donc je vois pas en quoi c'est prétentieux. C'est juste ça m'éclate d'essayer de faire ça. Crane Souls, de plus en plus orienté action. Là, pas trop d'accord, si tu peux me dire ce que tu penses approfondir. Oui, c'est plus orienté action. Parce que, par exemple, quand je parlais... c'était en comparaison avec Bloodborne. Atomium en parle de la... Par exemple, le côté où tu dois taper très vite pour régén. En fait, ça... ça t'entraîne à devoir taper beaucoup plus souvent. Et moi, je suis un joueur qui prend énormément de temps, qui va peut-être passer 10 minutes entre chaque attaque pour bien comprendre tout ça. Et le jeu te pousse clairement vers, vers un côté plus d'enchaîner, plus rapide. Moins de combats stratégiques, encore une fois, là, non, c'est pas le cas. C'était de la stratégie dans le sens stratégie posée. D'ailleurs, je pense que je me reprends dans la vidéo à ce moment-là. Monstre qui frappe n'importe comment va à l'encontre de la série, en gros. Oui, je parle du côté organique qui rend la lisibilité plus compliquée parce que ça frappe un petit peu dans tous les sens. Donc oui, c'est des patterns différents à apprendre, mais pour moi, c'est pas ce que je recherche en étant fan de Demon's Souls. Ça aussi, c'est nimp. Et enfin, le fait que tu saches pas qu'il y ait des dragons dans les Dark Souls, c'est pas top. Voilà, donc je te remercie beaucoup de tes avis, ils étaient absolument fondés et c'était... Voilà, merci beaucoup, je pense que ça a été en effet une remise en question complète de ma façon d'appréhender la vidéo sur Dark Souls, et voilà, des bisous. Non, bah après c'est intéressant que tu partages, mais on sent clairement que tu es très attaché au jeu, que tu aurais voulu des informations plus pertinentes, mais ça a été présenté par des joueurs qui ne sont pas pertinents sur le jeu et qui le disent clairement dès le départ. Mes approximations sont pour moi légitimes, de par ma position de joueur, et c'était juste un partage de découverte. Donc je pense juste que c'était pas le type de vidéo présentée par les personnes... Enfin, le type de joueur que tu voulais. Yop, New. Salut, Airjop. Salut, Nino. Le sarcasme est puissant, Crane, ce soir. Oh, mais je suis quelqu'un de très sarcastique, hein. De pas méchant. Enfin, je veux pas non plus être méchant avec les gens. Mais par contre, j'aime pas qu'on abuse. Et il nous en reste qu'un seul, je crois. Et on aura fini. Ah, on dit pas deux parts. Ça, je pense que je le dis de plusieurs fois. Crane ne dit pas qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas de dragon, mais qu'il ne sait plus si le dragon est sur le pont et dans Demon's Souls ou dans Dark Souls. Exactement. Oui, c'est vrai, je dis pas que je sais pas qu'il n'y a pas de dragon. Alors, on va vérifier, mais normalement... Après, je comprends tout à fait la frustration d'avoir du contenu qui nous tient particulièrement à cœur et où on se juge plus pertinent pour le faire. C'est pour ça que je vous invite vraiment à faire vos vidéos, vos articles, toutes ces choses-là, parce que vous pourrez redorer le blason de comment ça s'appelle, de ce type d'information. Alors. Donc ça va toujours être la difficulté de la petite effigie. Moi, ce que j'ai retenu de la vidéo, surtout, c'était l'excellente ambiance entre Crane et Atto. Moi, ce que j'ai retenu de faire la vidéo, c'est à quel point je me suis éclaté à l'avoir tourné avec Atto. J'ai voulu prendre mes âmes, je sais pas pourquoi.
Sinon, après ça, tu nous fais un speedrun all boss, oui, bien sûr. Mais moi, il me faut 7 heures pour battre des boss. Hein. Mais je les bats proprement et sans me faire toucher, j'essaye. Donc oui, apparemment, c'est prétentieux d'être un gros newbie qui se met des gros défis. Qui sont pas du tout à son niveau. C'est ça que je trouve absolument génial. C'est que je joue à Dark Souls d'une façon qui est pas du tout de mon niveau. C'est ça toute l'ironie. Est-ce que je peux passer? Non, je peux pas passer. On est mal. J'aurais dû les taper en fait. Ah, on est très très mal en fait. Oh, c'est dommage. Oh bon non. Je méritais tellement. Salut Sepsolon. N'étant pas un grand fan de la série, j'ai pris plaisir à vous regarder et vous m'avez donné envie de jouer à cet opus. Et bah tu vois, ça c'est le limite le plus beau compliment que tu peux nous faire, parce qu'on voulait vraiment dire aux gens, regardez les Souls, ça peut être fun, même si vous pensez que c'est un contenu qui est élitiste, vous pouvez l'appréhender de la façon qui vous plaît et y trouver votre compte. L'avenir appartient aux ambitieux. Eh oui. Là, je me sens mal. Ouais, je me sens mal. Eh, bic, je te fais des petits pics. Voilà. Il nous en reste un seul. Kren, je comprends ton ressenti. Je ne suis pas un joueur aguerri des Souls connus pour leurs difficultés. Mon perso sera donc à poil avec deux grosses armes. La facilité, c'est pour les mangeurs de dindons, c'est ça. Kren Life, c'est que tu as une aura et que certaines personnes qui te suivent ne baseront leur avis qu'en le calquant sur le tien et que tu es limite sur tes connaissances de la série. Ah oui, mais. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit d'en parler? Est-ce que, parce que je le dis, on le dit en début de vidéo, qu'on est tous les deux des débutants, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en parler parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'humanité, parce qu'on a une portée médiatique? Alors je sais plus du tout si j'ai pris... Oui, j'ai pris la... C'est triste quand même, c'est quand même triste. Hein. Je trouve ça un petit peu triste. Si j'avais un mouchoir, je pleurerais. Oui, je l'ai pris. Encore, on dirait de la merde, je veux bien. Mais et là, je serais le premier à être d'accord à disant oui, là, on a abusé ou tout ça, mais je ne juge pas avoir fait pour du contenu qui est du contenu de grosse consommation. Ça c'est fait aussi. Oh, j'ai raté. Ah mince, j'espère que ça va pas me coûter. Pourquoi ? J'avais de l'endu, j'ai appuyé sur le bouton et il est resté là comme un con. C'est triste, on avait fini. On avait tout fini là. On était beau, on était. Non, j'ai pas testé le. J'ai pas de PS4, donc c'est compliqué de tester des jeux PS4. Mais je pense de plus en plus à m'acheter une PS4. Attends, on aurait pu aller sur le Film Night. Ok, on est passé là. On peut le faire. On peut le faire. Je sais pas pourquoi. Hein. J'ai appelé sur mon attaque directe. Je me dis de toute façon, je vais pas le tuer en un coup. Je vais. Comment ça s'appelle ? C'est pas grave. Non, j'ai pas testé Lords of the Fallen, j'ai regardé un petit peu
en stream. Mais après, c'est pas spécialement mon style de jeu hein, de prédilection. Non, j'ai pas de Xbox One non plus. Non, mais je croyais qu'il allait faire une attaque. Oui, journée, il faut absolument que j'y joue, Siren. Ça fait partie des jeux qui me sont conseillés, reconseillés, reconseillés, qui apparemment vont me... qui vont me plaire. Crane, dis-toi qu'il y en a qui te disent que tu es prétentieux parce que tu commences à poil avec deux espadons alors qu'il y en a autant qui te disent que je joue en multi avec des invoques de quoi. Ah, oh, la petite roulade. Pourquoi Pourquoi tu as fait une petite roulade? Il ne l'avait jamais faite, celle-là. Allez, une fois, on peut aller sur le boss, là. Normalement, tu ne fais pas de petites roulades. Ouais, Monument de Valeur a l'air sympa aussi. Dark Souls est-il un RPG, à ton avis? Ça, c'est chiant, ça. Enfin, c'est pas très important, mais... C'est le but, Siren. Mais c'est un projet secret. Il faut pas le dire. Tu vois bien les FPS en haut à gauche. C'est vrai qu'ils sont affichés, mes FPS. À la limite que je les vis. Mais j'ai tellement l'habitude. Rien, alors quand j'ai dit qu'il était prétentieux, ce n'est en rien au fait qu'il joue ainsi. Pas très très prétentieux. Ok, ça c'est fait. Next. Ok. On va le faire à l'arc. Et on va essayer qu'il se prenne des dégâts. Allez, on a juste à le tuer lui, on a fini quoi. Oh non, il s'est bloqué. Oh le débilos. On a fini! Oh mon dieu! Par contre, je crois qu'il y avait une invocation. On va aller vérifier. On les a! On les a! Attention, c'est le suicide! C'est le suicide! Et c'est maintenant que je galère. Et c'est maintenant que je galère comme un ouf. Oh, je viens de penser à un truc horrible. J'ai pas les machins pour planter les... Oh là là! Oh là là, on est mal! Donc il faut que je le fight vers le milieu pour pas qu'il se heal. Ça va être extrêmement compliqué. Oh, j'y ai pas pensé à ça. Comment on va faire? C'est là. Ah oui, j'en ai grave grave chier sur Fumeroll, myope. Hein. Énormément. Ça repop peut-être pas. Ça repop peut-être pas avec un peu de chance. Mais je l'ai déjà fait Fumeroll. Je l'ai déjà fait Valtteri.
Ah mais tout le jeu est pas en N++ là. Ou alors j'ai pas compris le fonctionnement mais... alors... Je me rappelle plus du tout comment ça fait, hein, donc vous allez me voir mourir comme un... Ah, l'attaque des stocks. L'attaque des stocks. Je suis pas convaincu de pouvoir le tuer avec ces armes-là, j'hésite. Et il a une grosse armure, est-ce qu'on le tenterait pas? Mais c'est trop lent, c'est beaucoup trop lent. J'allais dire au marteau, mais... J'ai pas de portée. À mon avis, je lui fais plus mal avec des marteaux, mais bon. Ouais, je suis en NG+, là, sur Fumeroll, mais c'est juste parce que j'ai besoin de son arme. Pourquoi tu utilises ? À partir de quel moment je peux ? Non, d'accord. Deux, c'est pas une bonne idée. Donc, je l'ai quand même touché. Je pense pas pouvoir le battre avec ces grosses armes. Hein. C'est beaucoup trop lent. Hein. On va réfléchir. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Le tournage s'est très bien passé, Téléphone. J'ai plus d'enduit. Donc ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai encore moins d'adaptabilité quand on l'avait fait. Hein. Je l'avais fait à 25 d'adaptabilité, et là je le fais à 15, quoi. Je suis pas convaincu que les marteaux soient une bonne idée. Hein. Colle-le. La lance d'un don. Non, par contre, un espadon, non, c'est de la power stance. Ça fait partie des contraintes, ça fait partie... Je me rappelle plus quand je peux taper. Ah mince. Le fouet, j'ai peur de le casser avant la fin du boss. Ça peut être marrant de le faire au fouet, mais il a une armure. Armure contre fouet. Je me souviens plus quand je peux le taper. J'ai complètement oublié. Je crois qu'il fait une sorte de charge. Ah, je sais plus. Ouais, d'accord. Mauvais timing.